Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour le 21ème épisode de notre SP sur Assassin's Creed 4 Black Flag les amis. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos aventures. On va essayer de défoncer un petit messager et je me permets de vous le dire en début d'épisode maintenant. Mais n'hésitez pas à laisser, à lâcher surtout le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne les amis. N'hésitez pas à faire du bouche à oreille concernant celle-ci parce que peut-être que certains ne connaissent pas le SP et voudraient le découvrir en même temps que moi. Du coup n'hésitez pas à faire tout ça, je compte sur vous et grâce à vous on pourra avancer. En tout cas aujourd'hui les amis on va essayer de finir la quête des assassins qui se trouve juste ici. Car je m'étais vraiment tapé une grosse barre sur le fait que Upton soit bourré à cause de son frère qui veut le tuer pour obtenir la carte trésor. Mais au final son frère est manipulé par un templier qui est sa femme Ling Chang, il me semble. Mais c'est un templier de l'extrême-orient. Donc vous voyez que les templiers sont vraiment partout, ça dégage. Tu es mort, c'est dommage. En tout cas on est rendu sur le lieu de la mission. Et les amis c'est parti. Reine des pirates, roi des idiots. Tu as l'air d'aller mieux qu'hier. Une fois dessoulé, j'ai eu les idées plus claires. Jing a écarté mon frère du droit chemin, et il faut la tuer. Mais Van Tsushi m'a trahi, mon ami. Et chez les assassins, la trahison est punie de mort. Quoi qu'il en soit, l'un des deux a la clé qu'il me faut à tout prix. Cette affaire te tient trop à cœur. Laisse-moi m'en charger, d'accord? Je vais te dire où tu pourras les trouver. Bien. Donc on va devoir tuer la femme de Vance. Donc ça va lui faire un déchirement au cœur. Mais bon, en même temps c'est elle qui l'a entre guillemets corrompu. Et du coup la zone interdite là-bas. Maintenant je comprends mieux pourquoi il y a une zone interdite. Comment j'ai réussi à monter jusque là? Alors je sais qu'il faut que je sois discret, patati patater, mais bon. Voilà. Enfin, après ça reste un crocodile. C'est cool les crocos. Oh les crocos, oh les crocos, oh les crocodiles. Et nanana, et dans le Nil. Nanana, nanana. C'est tout ce que j'avais à dire. Anu. Ça va? Hop. Anu. Aïe! What the fuck? Il se passe des choses que je ne peux contrôler. Je suis. Attendez. Voilà, merci. C'est bon, j'ai retrouvé mes CP parce qu'en fait je me battais à la main dans le dernier épisode, vous avez peut-être dû voir ça. Mais c'est simplement parce que j'avais pas armé mes CP et je viens juste de m'en rendre compte parce que c'est bizarre quand même que mes combats continuent à la main. Parce que je me suis battu contre des... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi... Quel est le sens de la vie que je mène? Je sais pas chanter, voilà. Alors pour moi ils sont là-bas. Hein. Pardon. Allu! Allu, ça va? Hop, salut. Allu! Parfait. Les combats sont tellement plus rapides quand tu prends les bonnes armes en fait. Parce que de base, j'avais pas pris les épées. Alors que les épées sont bien plus puissantes que des lames secrètes. Alors, pour moi, ils sont là-bas. Hein, c'est une évidence même. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'avais dit. Quoi? Faut vraiment que je tue? Ah bah oui, parce que oui, du coup, il a trahi. Oh putain, j'ai chié. Oh, merci. Traître. T'es bien placé pour le savoir. Jing Lang, en chair et en os. Je lui avais dit de ne pas t'engager. Sale traître! Je ne subirai pas le même sort! De la tête, bouge pas! J'arrive. 2 minutes. Par contre, cette scène était vraiment la plus nulle de toutes. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais vraiment. C'était pas la folie. Hein. Bah. Mon dieu! Ah, merde! Hein. Dégage, hein. Malédiction, la reine des pirates, Jing Lang, vaincue pour une fausse carte.
Mon arrogance m'a perdu. Quoi? J'ai volé la vraie. Les deux moitiés. Mon mari les détient. Ton mari? Il vaut bien mieux que ces deux idiots. Deuxième scène très très nulle, mais on sait au moins que la petite dame avait un mari. Donc, intéressant. Qui a une carte au trésor. Ma foi, pas mal. Alors, bon, je suis, comment ça s'appelle? Merci. En train de chercher une carte. Un champ, donc. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Tiens, voilà. Full buggy, bonjour. Je déteste ça. Je déteste quand ça fait ça. En tout cas, les amis, on a terminé cette chasse aux Templiers. Et on a obtenu ce qu'on appelle une clé des Templiers. Donc, c'est intéressant. Plus que 3 ou 4, il me semble, et on aura la tenue des Templiers, et ça, elle est tellement stylée, la tenue des Templiers, les amis. Donc c'est une tenue d'assassin, évidemment, mais aux couleurs bah, d'un des assassins les plus forts qui n'est jamais connu. Ça va être génial de l'obtenir. Et donc, on a terminé ce genre de petite mission sympatoche. Je voudrais juste voir s'il y a un lapin, parce que les pempeng, il me faut. Oh, j'ai booté le cul, mademoiselle, hein, franchement. On va casser les steaks à partir ultra vite. Y'a pas de pimpin. Bon, tant pis, y'a pas de pimpin. Bon, bah, y'a pas de pimpin pour aujourd'hui. On ira chercher les pimpin plus tard. En tout cas, on a certains trucs encore à récupérer. Donc, y'a le coffre qui se trouve tout là-bas à récupérer. Y'a le coffre dans la forteresse, un fragment d'animus. Allez, on va partir vers la forteresse. On va aller en direction de la forteresse, les amis, parce qu'il nous reste quoi, 5 coffres à avoir. Ça va, ça passe. 2 fragments d'animus, 2 partitions. C'est bon, franchement. Je pense qu'il y a moyen qu'on finisse Nassau dans cet épisode. Comme ça, c'est fait, les amis. On trace une croix dessus. Merci, voilà. J'ai un trait. Oui, ça peut fonctionner aussi. Et on va pouvoir, donc, aller vers d'autres horizons. Aussi, il faudra prendre le deuxième contrat d'assassin qu'il y a ici. Et on aura fini la zone à 2000%. Et voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant que la fille se servait de cela. Et ils avaient une fake carte depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a moyen de trouver un magnifique trésor. Alors, franchement, les amis. Et je pense que, tu vois, ça... Ah, à moins que son mari, il vienne d'Asie. Et du coup, on pourra pas le... Ah, ouais. Ouais. Et pas avancé à celle-là. Est-ce que c'est ouvert ou pas? Putain, mais faut pas ouvrir les portes comme tout le monde, quoi. Putain, c'est pas compliqué. Ah, putain, c'est terrible, hein. Quand t'es à l'intérieur, par contre, y a pas de problème. Voilà, il faudra passer par le côté. Super, bonne ambiance. Faire ses steaks, ça. C'est tellement dur d'entrer dans cette forteresse. Vous vous rappelez quand j'avais galéré la première fois qu'on était venu ici? C'était dans les quoi? Dans l'épisode 5-6 par là? Non, on connaît les chemins, ça va. On a une meilleure armure. On est un peu tout mieux, quoi. Alors, hop. C'est par là. Ok. On connaît vraiment le chemin par cœur, clairement. Plus aucune surprise à ce niveau-là. Enfin, j'aime parce que les soldats, tu sais, ils ripop sans arrêt. Ils ont vraiment beaucoup d'effectifs, hein. Les Templiers. Assassin des Templiers. Assassin des Templiers. Je fais des trucs un peu mal. Franchement, cette musique elle est géniale. Je pense que c'est la musique que je préfère dans les youtubeurs qui ont fait des musiques. Après, je suis une licorne avec des pouvoirs magiques et vraiment pas mal non plus. On va se le dire. On va se le dire quand même. Hop là. Et wouh! Et bon. Tout baigne. Ouf. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, pardon, on est censé monter déjà. J'ai oublié. Sort. Parce que par là, non, après. Ah oui, non, on peut rentrer par là. Parce que là. Non, il y a des trucs pour nous faire monter, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait. Attends. Ah, le nez qui me démange, c'est d'une affosité sans pareil. Ouais, non, ça. Faut aller. Ah, mais. Putain, mais. Incroyable, tu sais, t'as une branche. Genre le jeu peut pas te dire va sur la branche. Voilà, comme ça, c'est pas. Je pense pas que ça soit très sorcier. Hop là. Et yep. Parfait. Oh, ça gratte trop. Ah, c'était horrible. Oh, oh, oh. Oh, moment triclasse de vidéo, je suis désolé. Oh, wow. Ah, j'étais pas bien, j'étais pas serein. Là. C'est pas.
Waouh! J'étais un peu fébrile à cause de ça. Non, mais par contre, mec. Déconne pas non plus. Alors, le coffre, il est où? Ouais, mais ils peuvent tellement avertir la cloche, mais je m'en bats les reins. Ouais, ça dégage. Alors, où est le coffre? Le coffre se trouve un peu plus vers là-bas. Un peu là. Putain, on est pas... Il est un peu plus haut. What the fuck? Putain, les gars! Mais il réagit vite! Incroyable. Ouh. Et là, ça fait mal. Et là, bah... Bah t'es mort aussi. Hop, c'est dégage. J'adore, et en vrai j'adore ces scènes de combat. Hop, tac. Quel, hop, toi. Tu meurs aussi. Fais. Ok, il y avait un mec qui a essayé de me tirer dessus. Donc, tout à l'heure d'aller bien. Tout est sous contrôle. Bah lui j'arrive pas à le contrôler, c'est insupportable. Aïe. Non c'est bon. Allez hop, en direction du coffre les amis. On n'a pas le temps de niaiser. Putain mais le coffre il est où? Il est en dessous? Je comprends pas où il est le coffre. J'arrive pas à visualiser. Hop, c'est à dire qu'il est plus bas. Wait. Comment on fait pour avoir ce coffre en bas? Peut-être là. Je sais pas du tout. Aïe. J'improvise là. Hein. Non mais... Où il peut être? Ah, je suis choqué là. Ouais, pardon, j'ai l'impression que je vais mourir. Si, je me concentre pas un peu plus. Voilà. Pro gamer les amis, n'oubliez pas. Bah écoutez, on va aller chercher le fragment d'Animus, hein. Tant pis. Moi qui pensais que j'allais sortir avec un magnifique coffre. Sinon il est pas là, non? Oui, c'est à dire qu'il se trouve plus bas. Plus bas où, je ne sais pas, mais... Plus bas. Avec ça. Hop là. Ok. Alors par contre, mais... Le mystère de ce coffre est vraiment incroyable. Après, comme il se trouve sur le côté, peut-être que tu vois, faut aller en dessous. Tu vois, faut aller par là. Et peut-être que là, tu vois, t'as une entrée de crypte. Comme ici, par exemple. Voilà. Bingo. Putain, les amis, rien ne peut se cacher de moi. C'est, on va tout trouver. C'est comme pas. Ok. On avance bien. Là, cette fois-ci, on va partir. On va faire des déplacements rapides maintenant. On voudrait pas. Par contre. Ah, d'accord, ok. Je vois. Parce qu'au final, il nous reste. Ah oui, oui. On va aller là-bas. Quoi? Déplacement rapide disponible? Oh là là. C'est... On va aller de l'autre côté de l'île. Ou est-ce qu'on va vers la mission principale? Parce que je sais qu'à un moment on tombera vers l'assaut. Allez. C'est bon, je vous ai assez fait languir les amis. On va faire que de la mission principale à partir de maintenant. Parce que quand même la Nassau, on l'a clairement bien, bien séché en deux épisodes. Où est la mission principale? Très bonne question. Ouais, non c'est bon. Franchement j'ai pas d'avis de recherche pour l'instant. Par contre la vie que j'ai c'est assez impressionnant. Mais entre deux épisodes... pardon. Entre deux épisodes, j'irai tuer des baleines et tout le bordel. Je pense qu'on en aura besoin pour la suite. Donc bon. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? La conspiration des poudres. Regarde-les. Ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Hornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. Nassau est fini, on n'y peut plus rien. On
On doit filer d'ici ce soir. On se retrouvera à mon campement. Ça me va. Qu'est-ce que t'as prévu? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il a jamais su s'en servir. Je ne vais pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poix. Intéressant, donc on va venir exploser un peu tout ça. Alors par contre, je ne sais pas ce que c'est la poix. Et donc vous voyez qu'ils sont malades, hein, qu'il y a une grosse épidémie quand même. Et je sais pas du tout ce que c'est la poix, je pense qu'on le verra plus tard, c'est pas un problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes que je ne connais pas, étant donné que c'est pas du français commun. Alors pardon, je suis désolé, vraiment genre, je voulais pas. En fait, de base, c'était pas mon intention. Ah, ça va être très très dur. Attendez, 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 attendez. Hop. Autant vous dire qu'on va passer comme ça, hein. Ok, donc faut que je vole ça, skip. Hop. Voilà. 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 Aïe, je suis désolé. Ouh. Oh putain. La bombe d'Eddie Saolé. La bombe d'Eddie Saolé là. C'est bon, tout le monde est mort. Parfait. Alors, maintenir volé. Ah oui, en plus c'est bien long tu vois à prendre donc faut le vouloir quoi. Ah ok. Ok, d'une, plus que 3. 4. Oh. On les a explosés là. C'est, j'ai paniqué, j'ai appuyé vite sur. Salut. Bonne journée, les gars. À la prochaine, Fred. Ah, c'est pas censé. Vraiment de bons souvenirs, ça. Ça, ce sont les bons bails. Hop. Putain, c'est loin. 80 mètres, quoi. Putain, ils ont déconné, les gars, là. En plus, on reste sur l'assaut encore, bon, c'est parfait. C'est parfait, Shake, cette mission principale va me faire rester sur l'assaut. J'espère. En tout cas, hop. Et hop, ça se dégage. J'ai un peu tué ton pote, hein, tu fais gaffe. Non, 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 non. Sabote, sabote, sabote. Tu peux pas saboter? Ok, attendez, attendez, attendez. Parce qu'il se passe des choses qui sont contre ma volonté actuellement. Voilà. Allez hop, et en bas. En bas, non, moi. Hop, tac, tac, tac. Bouclier humain. Ouf. Putain, j'ai voulu me protéger comme à la Zelda quoi, what the fuck. J'ai un gros problème. Hop. Hop, ça dégage. Ah, putain. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réussi à me protéger. Parfait. T'es quoi? T'es qui toi? PTDR, t'es qui? Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus, faut que je me casse là. Là, faut que je me casse, faut que je me mette à l'abri des tirs. Ok, ok, rien ne va plus. Ouf! À chaque fois, il arrive à me mettre des coups de tatane, c'est insupportable lui. Hop là, ça dégage. Toi, t'as l'air d'être riche quand même, non? Ah, je peux pas le voler, merde. C'est plus chance à faire. Bon, parfait. Oh, on a réussi à s'en sortir, je ne sais pas comment, mais on a réussi. Alors, ça, c'est essentiel. Donc, après, faut que je aille vers là-bas. Non, attendez, non, vers là-bas d'abord. Dans tous les cas, je me suis mal pris. Je suis vraiment pris comme un sac pour le coup. Oui, vous avez vu que j'arrête de faire dans la dentelle, hein. Ça sert à rien d'être discret dans ce monde. Oups.
C'était pas ce que je voulais faire de base, je voulais rentrer dessus, mais bon. Il s'avère que j'ai peut-être chié. Hop. Hé, hey, Morandi! Whoop! Hop, ça dégage. Ça dégage! J'ai dit ça dégage! Parfait! Hop là, c'est bon. Ça, toi tu meurs là, le sniper? Non, putain, putain, pas la bombe, pas la bombe! Ouh, celle-là elle a fait mal, Brand. Putain, ils sont un peu chiants avec leur bombe. Parfait. Parfait. Hop, ça dégage. Et là, toi, t'es foutu aussi. Fou! Ok, on a réduit tout le monde à néant. Évidemment, c'était pas le bon endroit. De quoi? J'étais pas prêt, moi. Vas-y, t'es quoi? Merci bien, frérot. C'est gentil, t'as pas. Oh, nickel. C'est si beau. Je fais même pas exprès. Oui, non, mais là, alors là, j'ai rien compris ce qui s'est passé parce que le mec m'a enchaîné. Du coup, vous avez vu mes yeux s'ouvrir très vite. Je me dis, oh! Mais, en vrai, les snipers, c'est les plus dangereux. C'est clairement les plus dangereux. Du coup, j'en suis où? Ah, je suis même pas au bon endroit là. Ta gueule, toi! Laisse-moi passer tranquille, wesh! Attendez. Ah, mais attends, mais si, c'est un bon truc! J'ai l'impression qu'on est pas loin là. Alors, cet endroit on l'a déjà fait, il me semble. Ah non, on est loin. On était loin. Autant pour moi. Par contre, je comprends pas pourquoi les déplacements rapides n'étaient pas disponibles. Ça m'embête un peu parce que si je pouvais pas me déplacer rapidement, ça va entraver un peu mon expérience de jeu. Et hop, on va aller sur la branche. Putain, il a failli faire ce que je voulais pas faire. Est-ce qu'il y a de la reine? Ok, très bien. Je crois pas, hein. Alors, je vais apprendre un truc. Tu vois, c'est de mourir en fait. Aïe, pardon. Je fais pas assez attention. Je fais clairement pas assez attention, les amis. On se le dise, on se le répète. Voilà. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Hop, parfait. Hop, ça dégage. Putain, c'est vrai que j'ai les fléchettes quand même. Est-ce que je peux y tirer dessus, moi, ou pas? Hop. Voilà. Parfait. Nickel. Ça, le mec, il va shot tout ce qu'il y a autour. Et voilà. Allez, un baril de plus. Il ne reste plus que le dernier, là où on est mort. Et ça sera bon, les amis. On aura envoyé tous les barils de poudre. Donc ça s'appelle les escaliers de la reine. Ma foi, intéressant. Sympa. Un jour, j'irai à Nassau, là, à Van, tout. J'irai visiter ces îles parce que ça a l'air d'être super joli. Putain, ça m'a fait flipper, là. Oh, je vous avoue que je sais pas. Le mec pauvre, il se dit, putain, mes potes, ils sont morts, ils sont où? Bon, tant pis. Parfait, mission accomplie. Tuer 4 cartes dans une série, voilà. J'ai sûrement fait ça, je ne sais même pas. Parfait, ok, donc on a fait ça. Un petit truc supplémentaire quand même, sympa. Je vais juste voir où on est par rapport à la carte. C'est bien ce qui me semblait. Donc on est dans le nord, donc autant récupérer ce qui nous est dû. Ouais, c'est vrai que j'étais pas allé jusqu'au bout là, tu vois. Alors que le coffre était juste là. J'aurais dû m'en douter qu'il y avait une petite couille comme ça. Parfait, on va récupérer le coffre qui est juste là-bas. J'adore quand il marche. Vraiment, c'est une grâce, une élégance. C'est du Edward. C'est du Edward tout craché. Hop là. Ouais, jusque là-bas. C'est rien de récupérer la marchandise qu'il y a là. Pour le coup, si c'est pour 2 bois ou 3 métal, c'est on a le quintuple sur des bateaux.
Oh pardon. Je t'ai loupé en fait. C'est pas que je voulais pas te tuer, hein. C'est que j'en avais très envie. Mais c'est juste que t'es passé un peu trop loin de ma lame. Du coup, ça t'a pas touché. C'est pas grave. C'est pas ta faute. C'est pas la mienne non plus. C'est un concours de circonstances. Y'a pas de bonne ou mauvaise situation. TMTC. Enfin, voilà quoi, c'est pas. On est quitte maintenant, t'es mort. Alors. C'est sur cette île. C'est sur cette petite îlot. Dedans, il y a un petit coffre. Parfait. Ça, j'aime. Hop là. Et là, les amis, on va espérer. On va prier pour que les déplacements rapides. On peut ? Ah, non, on peut pas. On peut ? Ah, on peut pas. Très bien. Statut de Jade, plus 120 réalis. Moi, ça me va. Quand on a énormément de réalis à l'heure actuelle. Je vais continuer à économiser pour les améliorations de bateau, les amis, parce que en termes de statique, on sent pas les couilles pour moi, clairement. C'est pas ce qui va nous faire avancer dans l'aventure. Hein. Ça, c'est un pur bonheur d'en tuer. Des gros mecs comme ça, parce que c'est tellement casse-couille. Au début, je comprenais pas comment on faisait pour les assassiner. Faites voir, du coup, il nous reste une partoche juste à droite, une partoche à gauche, un fragment d'animus et deux coffres là-haut. Franchement, ça me va. Ça va comme situation. On aura bien fait le truc. Hop là, plac, plac, plac. Alors, le jeu me dit que je suis à 35% du let's play, voire maintenant 36%. Merci. J'aimerais que ceux qui sachent un peu. Enfin, qui connaissent un peu le jeu, me disent ce qu'ils en pensent pour le coup. Et évidemment. La progression compte aussi le nombre de trucs que tu débloques et tout le bordel, il me semble. Donc franchement, ça veut dire que niveau histoire, on a très très bien avancé, j'ai l'impression. Et je dis pas qu'on a quasiment fini l'SP, là je sais pas du tout et je pourrais pas m'avancer à ce niveau-là. Mais on avance. On avance comme il faut, je pense. Voilà, parfait. Tu vois, il était rapide alors que la dernière fois, il nous a fait galérer. On a anticipé ce mouvement. Et ça, c'est beau. Hop là. Allez, on va faire une dernière mission principale, les amis. On va pouvoir s'arrêter pour cet épisode, en tout cas. Ça aurait été, ma foi, bien sympatoche. Donc là, vous voyez qu'il nous reste deux coffres, un fragment d'Emus et une partoche. Donc c'est parfait. Bon, il ne nous reste que les trucs dans le sud de la map à aller voir. J'ai la moustache qui me gratte maintenant. Après, le nez, c'est la moustache. Putain, mais c'est pas possible. Le mec bien trop chiant, tout lui gratte. Bon, ah, le sourcil commence à me démanger aussi. Rien ne va plus. Rien ne va plus du tout. Alors, salut. Allez les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chambre. Lieutenant. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair? Aïe, sir! Quelle charogne du bas monde! Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le rhum vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. On va pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Oh oh oh, j'adore ça les amis, on va devoir tuer quelqu'un d'important. Voilà. Ah, c'est trop bien. Là, ça c'est une vraie mission d'assassin, ça j'aime. Ça fait plaisir, franchement. Franchement, on pouvait pas me faire plus plaisir. Allez-y. Ok, donc là on arrive dans la zone interdite, on va passer par là. Hop. Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. J'avoue que le Commodore c'est un putain d'enculé. Donc s'il pouvait mourir, ça nous arrangerait un peu quand même, hein. Vas-y, retourne-toi, je suis pas ton pote.
Je suis pas ton pote. Casse-toi. Merci. Ah. Ouh. Oh putain merde, je t'avais pas vu toi. Hop, tac, tac, ça dégage. Putain mais je suis repéré là, c'est pas possible. Mais comment on peut... Comment on peut pas me repérer? Vas-y, hop. Aïe 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 aïe. C'est bon. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Je pense que ça va être un peu très dur. Non, aïe, 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 aïe. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je déconne, je suis désolé les gars. What the fuck? Bon, oh, pas si mal. Oh. Habile. Habile. Merci de les avoir repérés, c'est gentil. Pas ça, hop, tac. En ce moment, c'est. Ouais, le Commodore, c'est un fils de pute. Ouais, eux aussi, ils sont pas. Aussi, ils sont pas très gentils, hein. Non, tombe pas. Ah, parfait. Ça va, moi, ça me va. Quand il se passe ce genre de choses, j'aime beaucoup. Alors. Toi. Parfait. Tout de suite. Deux. Allez, avance. Deux, je te. Moi, j'ai pas ton temps. Voilà, on va y aller. Deux. Putain. Alors, soit je continue. Non, je peux pas continuer. On va faire ça. Hop. Nickel. Une fois que je suis là, on va passer par là. Est-ce qu'on peut monter ailleurs? Ah ok, on va aller vers cette plante là-bas aussi. On va avancer comme ça. Ouais. Ok, là-bas, il y a une plante. On va voir, s'il part à droite, on va sur la plante à droite. Parfait. Je pense que c'est exactement le chemin qu'il fallait prendre. Parce que là, on est bon. Ok, donc là, ils arrivent sur leur zone. Ok, bien. On les a toujours en visu. Après, je vais devoir aller où? On va aller par là. Non, putain. Attends, mais mec, vraiment, j'ai pas ton temps. C'est un truc de malade, hein, mais je te jure, j'ai pas ton temps. Voilà, parfait. Donc là, ils sont là. Un peu là. Donc on va les poursuivre depuis les hauteurs. La vision d'aigle nous permet de faire ça, hein, clairement. Mais c'est toujours en visu. Quand il me voit plus là. Aïe, merde. Hop. Aïe, aïe. C'est bon. Parfait. Là on est bon. Ils sont juste là. On se calme. Allez, tu peux les spotter, s'il te plaît? Est-ce que je peux descendre? Ouais, je vais descendre par là. Oh, mais attends. Parfait. Ouais, toi, viens par là. Allez. Sois pas discret. Parfait. Ok. Je me suis pas fait avoir. Ils sont là-bas. Mais ils sont trop loin. Ils sont vachement loin. Attends, non, je suis pas visible. Je suis pas visible. Je te dis que je suis pas visible. Ta gueule. Tu fais ta bouche. Voilà. C'est bon. Je suis pas visible, ok? C'est bon là. Faut pas déconner. Stop there.
De quoi tu parles? Si, il faut que je tue? Ça va. Ok, j'y vais. Pas de problème, faut pas me dire deux fois à moi. Hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc le commodore est juste là. Alors, je rappelle que c'est vraiment le commodore qu'il faut tuer là. Hop là. Et après ça, les amis, on aura terminé cette petite mission vraiment sympa qui menaçait Nassau. Salut! Ça va? Oh, t'as l'air d'aller bien quand même. Allez, mon bonhomme, salut! Allez, ça dégage. Par contre, j'aimerais bien avoir mes guns, s'il vous plaît. Ça dégage. Ouch! Pardon, pardon, pardon. Aïe! Lui, franchement, avec l'hallebarde, c'est très très dur. Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus, j'ai chié. Putain, je chie de ouf dans la colle parfois. Hein. Allez là. Allez mon pote. Ah, c'est bien. Ouf. Hop, je contre. Et là, je contre-attaque. Parfait. Hop, j'esquive. Là, lui, on le désarme. Et là, on le tue. Parfait. Et vous, mon cher monsieur, il est temps de mourir. Allez, Commodore, salut! Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan! Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive! Et dans le palmarès, la mort la plus longue, je vous présente le Commodore. Super, alors... On aura fait des super bons trucs aujourd'hui. Donc, la mission est terminée, on a tué le Commodore, Nassau est sauvé les amis, c'est sur ça qu'on va cesser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le lourd pouce qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter. Et puis les amis, on se dit à la prochaine dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure. Bref, vous connaissez la chanson? Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye. Hey l'ami, on dirait que la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant juste là, ou encore regarder la suite de l'esprit en cliquant juste ici. Ou bien découvrir une nouvelle vidéo en cliquant sur la vignette à droite. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.